Et salut tout le monde, bienvenue à tous sur cet épisode de L'Ange des Ténèbres, certainement le dernier, hein. Vous êtes donc sur le 15e épisode de L'Ange des Ténèbres, Tomb Raider, donc certainement le dernier. Alors qu'est-ce qu'on avait fait la dernière fois? C'était l'épisode du n'importe quoi, hein, la dernière fois. On a trouvé la galerie des trophées, on a trouvé la dernière peinture d'Obscura, on nous l'a encore shippé une fois de plus, ces cartes, hein. En échange de la vie de Curtis, on lui a donné la dernière peinture. Il nous a envoyé Bose, qui s'était fait bouffer il y a 2-3 épisodes de cela, qui était retour en forme d'araignée et de cocon, hein. On l'a tué, avec Curtis bien sûr. Tiens, j'ai toujours pas d'arme, qu'est-ce que c'est que ce Dawa? Muller s'est fait sacrifier par Eckhart aussi, par Bose. Et nous, Curtis a réussi à la tuer, mais a pris un coup dans le thorax. Et nous suivons en attendant dans le domaine perdu Eckhart, qui est parti avec les 5 peintures d'Obscura. Et là, on est en train de galérer dans son domaine perdu. Voilà, et on doit trouver l'entrée de son labo le plus rapidement possible. Alors, on va passer par là, hein. Ça me paraît pas mal. Donc ouais, je pense que ce sera le dernier épisode. Si je me débrouille bien, il y a vraiment de quoi. Il nous reste 2 niveaux, les amis. Et encore. Celui-ci, on l'a déjà bien entamé. Donc il n'y a pas de raison. Alors le pont, ça peut nous faire penser à Tomb Raider 1, si vous vous rappelez bien. Le pont au-dessus du T-Rex. Je pense que c'est un bon petit clin d'œil. Ah oui, alors là, on va sauvegarder. Déjà, vous me dites. Eh oui, déjà, mais bon. Ça mange pas de pain, une petite sauvegarde. Surtout avec la difficulté, on peut se le permettre, hein. Voilà. Et il faut bien se réceptionner sur celui du dessus, parce que celui du dessous, c'est mort. Allez. Vite! Je crois que c'est bon. Pareil, là on dirait le symbole de Tomb Raider 2. L'entrée du temple de Xian. Ça m'a l'air pas mal là. Voilà. Bon bah très bien, labo des cartes. Je m'attendais à ce que ce soit plus compliqué que ça. On a déjà fini avec le domaine perdu, c'était très rapide. Mais ouais, le symbole, on dirait vraiment le symbole de la mafia italienne de Marco Bartoli. Et l'entrée du temple de Xian. Il n'y a plus de musique ici, c'est bizarre. Allez, hop. Au revoir le domaine perdu. Et on va se concentrer donc sur le dernier niveau, donc le labo des cartes. On va essayer de le stopper avant qu'il ne fasse réveiller l'ange noir, hein, enfin le dormeur plutôt, parce que l'ange noir c'était le proto. Voilà, apparemment il aime beaucoup les pièges du Lux Veritatis, hein, c'est exactement les mêmes. Hein. Ils sont fada. Hein. Alors non, je ne suis pas de Marseille, hein, donc ne me posez pas la question. Ça m'est venu comme ça. Aïe. En fait, c'est peut-être pas une bonne idée de se réceptionner sur la plateforme du dessus. Ce passage, je m'en rappelais plus non plus, hein, vous voyez. Hein, énormément de trucs qui me sont sortis de la tête. Je pensais qu'on arrivait directement à l'endroit où se trouve l'image. Donc, j'avais zappé tout ça. Bon, c'est pas grave. J'ai bien fait de sauvegarder derrière la porte du domaine perdu. Quoi, faut être taré pour construire un endroit pareil. Oh putain. Sérieux? Bon, il faut pas se laisser tomber ici. Je
pensais pas qu'il y avait un pic juste en dessous. Ah, ça, c'est un beau piège. Je ne l'avais point vu. Bon, de toute façon, je suis obligé de me réceptionner sur la plateforme du dessus. Parce que les pics sont aux deux niveaux du côté droit de la pente. Donc, c'est impossible. Putain, mais il a une portée de combien ce pic là? C'est le truc qui fait toute la largeur de la pente. Aïe, 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 aïe. Bon, je crois que c'est les derniers pièges, heureusement. Encore faut-il que je le passe. C'est pas gagné, c'est pas gagné. La la la. Moi, je vais essayer de passer d'une traite. Ça a peut-être mal marché. Hop. Non, mais putain, mais c'est pas vrai. Là. Ah non, je suis stoppé par ces trucs-là. Comment je peux passer? Comment je peux passer? Réfléchis, chaos, réfléchis. Comment il a fait pour aller jusqu'à son labo, lui, d'ailleurs? J'aimerais bien le savoir. Même si c'est le grand alchimiste noir. Nyark, nyark, mais bon, quand même. Ce n'est pas logique. Pour moi, c'est sur cet angle-là le meilleur moyen de passer. Là. Voilà, très bien, on y est. On y est. Vous voyez, il y avait que la pente dont je ne me souvenais plus. La pente, ils auraient pu la garder dans le domaine perdu. Ça restait un peu dans le même thème. Et là, on rentre vraiment dans le labo des cartes. Alors, ça, c'est bien un labo d'alchimiste, hein. Alors, on a une grille avec en dessous de l'eau brûlante. On a des trucs électriques chauffés au bec benzène. On a des livres, des marmites. Et là, regardez, ici, c'est là, dans l'eau bouillante. J'essaie de me rapprocher pour voir si on le voit. Tout au fond, le dernier éclat périapte. Le voilà, il est en bas, il baigne dans l'eau brûlante. Alors, ça fait quoi ça? Alors pour l'instant, ça ne fait rien, il faut quelque chose. Mais le but, ça va être de refroidir cette eau-là pour qu'on puisse aller dans l'eau, tout simplement. Alors, j'ai vu qu'il y avait un levier, ne vous inquiétez pas, il y a une échelle à ma droite aussi, je l'ai vu aussi. Le levier, on va attendre un petit peu. Alors, il va falloir que je récupère des petits objets, voilà, à mettre sur ces espèces de symboles. Ah, je crois que le voilà, le tout premier. Le tout premier, les cadeaux. Ce sont des espèces de dagues. Ça, on va récupérer. Je vais vous montrer ce que c'est juste après. Là, on a une petite trousse. Allez. Alors, maton. Qu'est-ce que j'ai trouvé? La 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 la. Alors, j'ai trouvé la fiole d'alchimie numéro 1.
Il va falloir que j'en trouve 3. Donc il ne m'en reste plus que 2. Putain, je suis fort en maths, hein. Alors qu'est-ce qu'on trouve là? Par des escaliers pétés, bien entendu. Bon. Ok, bon, c'est pas grave. On a un instrument de torture ici, je ne l'avais pas vu. Ouais, on est vraiment dans le labo des cartes, hein. Sans pitié. Incroyable. Ok, alors. On va actionner ça. Alors, ça ouvre les grilles. Enfin, la grille. On a une canalisation juste en dessous. Ah, et ça nous ouvre l'accès à l'échelle. Ça, je ne savais pas, par contre. Ah, et lui aussi, il les a... Ça y est, il les a créés. Il y en a 2, en plus. Ah oui, mais là, ça m'arrange pas du tout. Hop. Et hop. Elle est pas mal, cette arme. Et voilà, et les deux chevaliers morts dans d'atroces souffrances. Bon, alors. Là, on va avoir affaire à une sacrée énigme, j'ai envie de dire. Sont tous fous dans ce jeu quand même. Et c'est vraiment dark, hein, ce Tomb Raider. Hein. C'est assez incroyable quand on y pense. Comment ça a changé de direction d'un coup. Alors, je fais un peu le tour. Hein. Je ne me gêne pas. Alors, je vais mettre la fiole numéro 1 ici. J'aurais plus besoin de le faire. Alors, il y en a une des deux, je sais où elle est. Ah oui, il y en a une dans la cage, mais voilà, c'est ça. Alors, pour aller dans la cage, il va falloir sauter par-dessus la rambarde. Alors, attention, on va avoir un passage assez délicat, ici. Puisqu'un gros piège nous y attend. Si tu pouvais arrêter d'avancer. Merci. Alors, où se trouve l'entrée de la cage? C'est tout fermé, là. Comment je fais, moi? Ah, non. La voilà. Hop, allez, on se tire d'ici. Oh putain, allez, tu mets 3 plombes à monter. Non! Et voilà, dans l'eau bouillante. Alors, je ne sais pas pourquoi elle a décidé de ne pas monter. Hein. Ça, c'est encore un dur mystère. Hein. Je ne comprends pas tout dans ce jeu. Dans ce gameplay. Allez. Ne soyons pas défaitistes. On va y arriver. Hop. Allez, c'est parti. Hop. Et hop. Nous ne sommes plus dans le piège. Et de deux,
Il nous manque une fiole. Vous avez vu qu'il y avait un trou dans le piège. Une espèce de canalisation. Alors, je ne sais plus si on peut y aller directement par là. Alors, il faut bien descendre de toute façon. Mais... Voilà. Voilà la troisième fiole. J'avoue que j'avais mis un peu de temps à la trouver, celle-là. Oh putain. Allez, 1200. Ah, mais c'est pas vrai. Allez, mais tourne-toi! Je tourne dans tous les sens, c'est une catastrophe. Voilà. Allez. Alors là, tu te mettais dans la cage ouverte. Mais alors là, je crois que j'ai jeté la manette violemment. Putain. Non, mais qu'est-ce qu'il m'a fallu comme temps pour pouvoir y arriver quand même. Non, pas de ce côté-là, c'est pas une bonne idée. Oui, parce qu'on ne peut pas monter là. Voilà. Faut faire un saut quand même en arrière. On n'a pas assez fait de choses, bien entendu. Alors avant de mettre tout ça sur les éléments... Non, ici on ne peut toujours pas y aller. Bon, très bien. Alors j'ai mis celle du haut, donc ça m'évite déjà de repasser par l'échelle, etc. On va mettre la deuxième ici et la troisième se trouve dans la salle où il y a les clapériaptes. Ce sont l'espèce de rond central et on va pouvoir dégivrer l'eau, enfin pas dégivrer, la rendre froide. C'est une substance magique. On dirait, vous savez, les esprits dans Tomb Raider 4. En plus, on a la même musique à peu près. Hein, dans la révélation finale. Les blancs, c'était des esprits fantômes. Enfin, il n'y avait pas d'éléments, quoi. L'esprit de l'air, plutôt, on va dire ça. Et là... Une simple petite pincée de ce fluide. Et l'eau est toute froide. Enfin, toute froide. Façon de parler, bien sûr, mais... On va y arriver. Bon, 18 minutes, ça y est, hein, là... Là, on touche au but. Voilà les clapériaptes. Ici, la porte s'ouvre. Allez, on sort de là. Et voilà, on a les trois éclapériaptes. On a tout ce qu'il faut pour affronter Eckhart. Nous touchons au but, les amis. On va y arriver. Allez. Je reprends mon flingue. Et on glisse. La porte se referme derrière nous. Mais il n'y a pas de piège. On entend encore les pics du début du niveau, mais... Voilà. Nous voici dans la salle du dormeur. Le fameux dormeur. Alors, je vais re-sauvegarder du coup, mais pour éviter ces chargements à la noix. Allez, c'est parti. Le combat final contre Eckhart. Alors, attendez, parce que... Ah, attendez, il y a des choses avant à faire. Qu'est-ce que c'est que ce bouton ?
Non, on ne peut pas. Et je voyais qu'elle couronnait galantement. Qu'est-ce que c'est que ce dawa? Ok, bon, il y a un bouton sur le pylône de gauche. Allez, c'est parti! Le combat contre écarte! Attention, ça va chier! Toujours en vie, Miss Croft. Belle résistance. Mais au cours de ma très longue vie, j'ai mis fin à des existences plus tenaces encore. Et pris leurs organes comme un vulgaire pilleur de tombes. Votre tour est venu. Me tuer pour réveiller cette chose, c'est grotesque. Seule ma maîtrise peut ramener cette noble race à la vie. Alors, à moi de mettre un terme à votre démence. J'ai traqué tous les Lux Veritatis. Je suis immortel. Les éclats. Je tremble. Pour vous. Mon rôle est d'introduire l'enfer sur Terre. Vous êtes une figurante. Je crois que je vais adorer vous rabattre le caquet, la star. Allez, c'est parti. Donc il est armé de... Des cinq symboles des peintures d'Obscura, hein, plus son sanglife, son gantelet. Alors là, nous sommes prisonniers du milieu. Alors ça, c'est le plus dur à éviter. C'est le plus dur à éviter. Alors, ça passe à travers les murs. Oh, ok, c'est bon à savoir. Merde. On va tâcher de se concentrer un petit peu quand même. Alors je vais essayer de me foutre accroupi quand il va me faire ça. Yes. Hop. Alors, vu ce que j'ai dépensé en Scorpion X, on va prendre le Mac Vega. Alors, ne l'attaquez pas, là, ça sert à rien. Il me fait un clone. Vous le gardez bien en joue. Hein. Hop. Et de deux. Voilà. Maintenant que j'ai compris la touche qu'il fallait faire. En voilà 3. Voilà. Attention, les 3 se regroupent. Merde. Hop. Et 2-1. Bon, il est pas mort pour autant, hein. Il me faut les 3, je vous rappelle. Allez, on va prendre un petit peu de vie. On en a. Je prends ça. Hop. Alors là, c'est le moment
Hop. C'était limite, mais c'est passé. Hop. Elle avance toute seule avec ce joystick encore. Hein. Il est où? Il est là. Hop. Allez, je t'attends, mec. Arrête d'avancer, putain. C'est pas vrai. Hein. Voilà. Voilà. Et il comprend pas que je me baisse, hein, cet abruti. Quand même. Ah, il m'a refait ses clones. Allez, on joue. Hop. Je me mets bien à gauche. J'ai failli être hors de portée. On voit que ces clones sont un peu en flamme. Changement de cible, hein, c'est vraiment subjectif. Hein. Voilà. Allez, venez là, vous. Là. Oh, le bug. Normalement, il devrait crier encore, là. Bon, ça en fait deux. Il en manque un. Hop, pour éviter toute catastrophe, je suis assez bien parti. Hop, en plein combat, ouais, ok, je sais, mais bon. Ouh, alors là, j'ai eu du bol. Là, j'ai eu du bol, j'avoue. Il est tellement plus facile que Bose, sérieux. Allez, j'attends. Comment vous faites pour le battre? Oh, ben, je bronze. Je reste allongé. C'est toute ma philosophie. Hop. Voilà. Encore un petit. Allez. Si tu veux. Ouh, c'était limite ça. Tu en veux encore? Non. Oula, là t'es trop près. Allez, ça y est. Et le pire, c'est que je vais te niquer avec l'arme de tes hommes. De tes propres hommes du Strav. Sur le côté gauche. Voilà. Allez, viens, je t'attends. C'est parti. Allez, hop. C'en est terminé des cartes. Et là, on va le voir souffrir. Oh, il est pas bien. Karel ?
Allons, tue-la! Tu as donc trouvé le troisième éclat. Mais pourquoi? Tu travaillais pour lui? Non, il œuvrait pour moi. Détruiras-tu son travail? Non, bien sûr. La grande tâche doit être accomplie. Je t'offre la chance inouïe de participer à l'avènement du nouvel ordre mondial. Tu plaisantes, hein? Nous, Néphilim, nous sommes battus pour survivre. Trop de gens ont perdu la vie pour que je me fie à toi, y compris mon vieil ami, Von Kroy. Une malheureuse victime des tempêtes de l'histoire. Eckhart l'a tué sur un coup de tête. Je t'ai soutenu sans cesse ici, comme à Paris. Je cherche 5 peintures d'Obscura pour un client du nom Descartes. Mais c'est un psychopathe. Ça ne me concerne pas. Mais on me suit dans la rue. Des gens meurent dehors. À ton tour, Werner. Lara, pitié. Écoute, va voir cette femme, Carvier. Elle t'expliquera. Et l'Égypte, Werner. Tu es parti sans te retourner. Où était ta pitié? À terre! Pousse-toi! Von Kroy, tu as trouvé la peinture pour moi? Qu'attends-tu pour me la donner? Je ne peux l'atteindre, c'est trop dangereux. Mais elle trouvera un moyen. Non! Oh! Oh! Tu ne m'es plus utile. Les humains sont si fragiles. C'est toi qui as tué Von Kroy. Mortel imbécile. Tu n'es pas indispensable. Bon. Eh ben, on voit que c'était ce mec qui faisait un double jeu, il se fait passer pour Eckhart. Bon, il travaillait pour lui aussi, hein, mais c'est pas lui qui l'a tué, c'est ce Karel. Alors, c'est un truc qui me, par contre, me tombe des nues à chaque fois, puisqu'elle sait comment il s'appelle, alors que c'est la première fois qu'on. Pas qu'on le voit, mais. Qu'on sait à qui on a affaire, quoi. Merde. Allez. Hop. Alors ça sert à rien de lui tirer dessus. Alors les Néphilim. Alors pour le battre, c'est simple, il suffit de tuer le dormeur. Je pense qu'il est relié directement avec l'esprit du dormeur. Alors pourquoi on peut pas? Ah bon, on peut pas. Ah oui, il faut que je ramasse ça. Donc là je merde. Oh putain. Je ramasse le sanglif 2 et carte. Est bien bousillé là. Voilà, gantelet des cartes au pouvoir incommensurable entre les bonnes mains. Hop. Avec les 3 éclats en plein dans le corps. Alors, cette fois-ci, on va pouvoir activer l'ascenseur. Enfin, l'ascenseur, l'échelle. Voilà. Hop. Allez, 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 on se dépêche. Merde. Chiant. Allez, 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 allez. Alors lui ne vous tirera que des boules de... Pas des boules de feu, mais voilà, des espèces de projections d'énergie comme ça, là. Un peu à la manière d'un Takamoto dans Tomb Raider Legend.
fait louper de peu. Voilà, et avec le gantelet, on va devoir se débarrasser du dormeur qu'il y a au centre, en haut de la pièce. Car elle et le cubiculum néphili ne font qu'un. Donc ça, c'était le tableau d'alchimie où Eckhart travaillait. Hop, on continue de monter. Le sprint final, les amis, on a 35 minutes, c'est parfait. Comme ça, je vais pouvoir épiloguer après. Ouf. On y est presque. On y est presque. Allez. Plus qu'un saut. Allez. Hop. Bon, et ben voilà, c'est la fin. Ouf. Et ben quel jeu, mais quel jeu compliqué. Richard Flower, la programmeur principale. Mais qu'est-ce que tu as foutu? Mais qu'est-ce que tu as fait? Bon, alors avant de faire donner mon avis sur le jeu, un petit épilogue s'impose. Hein. Vous avez vu, j'ai sauté sur le Néphilim. Et on a mis le gantelet des cartes qui permet de bousiller tout ce qu'on touche. Et on voit que le cubiculum néphili était bien relié à Karel. Donc les deux ne faisaient qu'un. Pour moi c'est ça, j'ai compris ça moi. Et en fait le dormeur faisait une projection astrale sur Karel. Et sachant que celui-ci travaillait pour Eckhart, il s'est dit tiens je vais me mettre de son côté, comme ça j'aurai plus de chances d'être réveillé sous ma vraie forme. Je pense que c'est un truc de ce genre là. Et Karel pouvait se changer en n'importe quel personnage. Donc si ça se trouve, Bouchard, un moment dans la part de Vasile, il nous a dit les choses qu'on voulait savoir, hein, certainement même. C'est pour ça qu'on l'a retrouvé mort après, juste après. Le videur, pareil, le videur de Bouchard là. On l'aperçoit quand il a volé votre peinture. C'est pour nous faire croire peut-être que Bouchard n'est pas de notre côté. Enfin, c'est tout pour mettre dans une position un petit peu délicate, quoi. Bon, bah du coup, c'en est terminé, hein. Eckhart vaincu, Karel vaincu. Curtis qui serait apparemment vivant, hein, puisque quand on touche son objet tranchant, puisqu'on revient dans la salle où on a tué Bose, il n'y a plus son corps, on voit une grosse tache de sang, mais bon, on ouvre son truc et on sent une certaine attraction vers quelque chose, et seulement quand on l'éteint, ça revient à la normale, et elle suit l'endroit où Bose est sorti, c'est-à-dire là où Curtis serait potentiellement parti, échappé. Voilà pour ce Tomb Raider, l'ange des ténèbres. Alors, mon avis. Alors, il est très partagé, hein, de toute façon. Ça a été considéré comme le Tomb Raider le plus horrible qui soit, tout Tomb Raider confondu. Hein. On en est déjà au 10e, 11e opus. Là, c'est le numéro 6, et ça a été considéré comme le pire. Pourquoi ?
Bah, parce que y a énormément de bugs et un gameplay déplorable. On fait abstraction de ça, on a quoi? On a des graphismes pas si moches que ça, hein, c'est de la PS2, on a eu pire. Bon, on a eu mieux aussi, mais on a eu pire. On fait abstraction de quoi? Donc, bon, du gameplay, d'accord. La bande son, elle est géniale, hein, ça a été fait proprement, par de grands professionnels qui est le London Symphony Orchestra et puis par Peter Connelly qui était déjà aux commandes de Tomb Raider 4 La Révélation Finale et Tomb Raider 5 Chronicles. Voilà, on a un scénario très 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 bétonné qui est le meilleur de toute la série, hein, confondu, hein. Donc pour moi c'est inégal, quoi. Tu enlèves le côté jeu au final, hein. Ça aurait été un film, ça aurait été très bien perçu au final. Alors on a accès à la bande-annonce et au making-of. Ouais, donc pour moi c'est pas un jeu mauvais, hein, clairement. C'est un très bon film, mais on n'arrive pas à bien jouer dessus, quoi. Vous avez vu les petits sauts, les grands sauts, je me suis fait lyncher là-dessus, ça a été exécrable. Alors que il y a vraiment de très très bons éléments, de très bons. Franchement, l'intrigue, je trouvais déjà celui de Tomb Raider, La Révélation Finale, excellent. Et encore, ça pousse pas bien haut, hein, comparé à d'autres jeux, je parle vraiment à l'échelle d'un Tomb Raider. Mais là, on a un accès à un certain polar, c'est une vision différente, quoi. On avait toujours reproché à Core Design de faire toujours la même chose, hein, sur les 5 premiers jeux. Mais là, ils ont mis un tournant différent, hein. Ils se sont axés vers quelque chose d'autre. Et ben voilà, il leur a manqué de temps, hein. La faute, si on a une copie comme ça, c'est la faute d'Eidos, qui a poussé le studio Core Design à sortir son jeu beaucoup trop tôt, pour que les gens puissent acheter le jeu en même temps que le film, hein. C'est uniquement un caractère commercial, ce genre de choses. Et forcément, eh ben, on nique des propriétés de gameplay, etc. Des bugs à tout va. Parce qu'il y en a des bugs, hein, dans ce jeu. On en a vu quelques-uns, mais on les a pas tous eus, hein. Pareil, le corps à corps, ça aurait pu être beaucoup plus sympa. Ça manque de discernement, franchement. Et il y a aussi des moments qui ont été supprimés. La galerie des trophées qu'on a vue, il y a la vidéo précédente, elle est méga courte. Comparée à la galerie des saisons, c'est ridicule. C'est complètement ridicule. La galerie des saisons, pour moi, c'est la partie du jeu la mieux faite, quoi. Alors Curtis, très mauvais, hein. Franchement, je n'ai pas du tout aimé ce personnage. Là, vous avez vu, on a vu les deux pistolets, on ne les a pas non plus, hein, chose que qui n'est pas normal dans un Tomb Raider. Donc ouais, je disais, Curtis Trent, je trouve que il a aucun charisme, ce mec. On le voit quasiment pas, on sait pas trop ce qu'il en est de lui. Voilà, au niveau de son histoire, c'est un peu bateau, hein. On se passerait bien franchement de sa collaboration, de sa présence. Franchement, il n'apporte strictement rien à l'histoire, ce mec. Enfin, je comprends pas les choix de corps là-dessus, mais alors, tout n'est pas acheté, mais tout n'est pas gardé. Même si on fait abstraction du gameplay, niveau scénaristique, on aurait aimé avoir une partie en Turquie. Apparemment, c'est ce qui avait été annoncé dans le deuxième épisode de la trilogie. Ça devait être une trilogie à la base. L'Ange de Ténèbres devrait être le premier épisode de la trilogie, mais bah, en vue de ce qu'ils nous ont mis, les fans ont complètement déploré ça, et toute la suite qui avait été imaginée, n'a jamais vu le jour. Ça aurait dû être le début d'une trilogie. Peut-être que Curtis aurait gagné en charisme, etc. Mais là, c'est vraiment une bulle, quoi. Une altère, un bout de fonte, quoi. C'est ridicule. Enfin, voilà. Je n'aime pas du tout la présence de Curtis dans ce jeu-là. Voilà. Ensuite, le côté polar, le côté recherche, je sais pas, la police, etc.
on enquête sur le meurtre de Von Croy, les différents dialogues, les différents choix de dialogue qu'on a. Franchement, j'ai trouvé ça génial. Et c'est ça que j'ai retrouvé dans Batman Telltale. Hein. Je vous conseille d'aller voir mon jeu, que j'ai filmé il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Moi, c'est ce que j'avais vraiment aimé dans les Telltale, c'est les différents choix de dialogue possibles qui peut faire évoluer l'intrigue en fonction de ce qu'on choisit. Et ça, on l'a retrouvé dans Tomb Raider, même si c'est à petite échelle, mais j'ai trouvé ça vraiment bien, quoi. Voilà, mais il nous manque un peu de background aussi. Enfin voilà, c'est assez inégal. Mais pour moi, avec les nombreux points forts qu'il a, en dépit de son gameplay, ce n'est pas le plus mauvais Tomb Raider qui existe. Franchement, j'étais beaucoup plus déçu d'un Tomb Raider 5 qui ne présentait rien de nouveau, qui était plat dans la réalisation, très très court, que un Tomb Raider L'Ange des Ténèbres qui a voulu quand même se démarquer des autres, qui a proposé énormément d'idées, de bonnes idées, et qui a un scénario qui tient la route, quoi. Même s'il manque des phases, hein. On ne comprend pas tout à la fin, parce que il manque des phases. Alors, en bidouillant, ils ont bidouillé la fin, on arrive à comprendre, on arrive à avoir quand même une fin dans cette intrigue-là, mais il nous manque quand même quelques éléments. Donc voilà, pour moi, c'est pas le plus mauvais Tomb Raider, c'est le plus compliqué à diriger, ça c'est sûr, mais il y a des qualités qu'on ne peut pas lui enlever. Voilà, pour moi, ça se justifierait comme ça. Voilà. Faites-moi part de vos commentaires, faites-moi part de votre avis, ça m'intéresse. Et on en a fini donc avec l'épopée Core Design et avec les Tomb Raider All Generation. On en a fini avec tous les PS1, on en a fini avec tous les PS2 et on en a fini avec la trilogie Underworld Legend Anniversary, puisqu'on avait commencé par ça. Ce qui fait que la suite, vous le savez bien, ce sera Tomb Raider Reboot, qui est sorti en 2012 ou 2013, je sais plus. 2010 ou 2011. Dans ces eaux-là. Parce que Rise de 2013, je crois. Attendez, on est en 2017. Non, il est sorti en 2015, Rise of the Tomb Raider. Donc je dirais 2012, le Reboot. 2012-2013, ça doit être ça. Donc ce sera le prochain. Bon, du coup, vous le connaissez déjà plutôt bien, je pense, hein, joueur d'aujourd'hui, c'est quand même un jeu assez récent, donc vous allez pas découvrir beaucoup de choses, hein. Voilà, c'était vraiment le dernier jeu à grande découverte pour la génération d'aujourd'hui. Beaucoup sont nés dans cette période-là, dans mon public, donc je suis quand même ravi de vous avoir montré tous ces anciens jeux qui me tenaient à cœur, hein. Même si j'en aime plus que d'autres, ça m'a quand même fait plaisir de jouer à ces 8 premiers épisodes, hein. Comptant l'anniversaire, ça fera 9, mais voilà, c'est quand même des jeux incontournables pour moi. Donc là, c'est la première série que je fais sur ma chaîne. Bien entendu, il y en a d'autres. Vous avez pu voir les Tekken, bien entendu, et il y en aura d'autres que je ferai qui font partie de mes jeux préférés. D'ailleurs, mon jeu préféré toute console confondue n'a pas encore été fait sur ma chaîne, et ça fait partie d'une grande saga vidéoludique. Je ne vous en dis pas plus, mais pour l'instant on n'en est pas là, puisqu'on n'en a pas fini avec Tomb Raider, puisqu'il reste donc Tomb Raider Reboot, Rise of Tomb Raider, que je ferai en découverte, je ne le connais pas, ça fait un petit moment qu'il est sous blister, il est encore sous blister sur ma PS4, et je ne l'ai toujours pas fait. Et on enchaînera aussi avec les épisodes Lara Croft Guardian of the Light et Temple of Osiris, que je ne connais pas non plus, que je ferai en découverte également. Et je vais essayer d'y intégrer notre ami le Black, notamment sur Guardian of the Light, puisqu'il a la PS3 en réseau. On va peut-être pouvoir se connecter dessus, je ne sais pas comment on va faire, mais je compte bien le faire là-dessus. Mais avant ça, donc on a les deux nouveaux épisodes comparés... Enfin, comparé à Reboot, donc à partir de la PlayStation 3. Voilà pour la suite de nos aventures sur Tomb Raider. Moi, je vous dis à la prochaine, à bientôt pour un prochain jeu, un Tomb Raider ou un autre. Hein. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Et je vous dis à bientôt pour nos prochaines aventures, Lara Croftienne. Tomb Raider Zisken, tout ce que vous voulez comme synonyme. N'hésitez pas à commenter, faites-moi part de vos impressions et je vous dis bye bye.